Subscribe to our channel. Bon, j'avoue, j'ai fait un dodo de bâtard. Un vrai dodo. Un petit message pour le monde du football. Deux messages même. Même voire plus. Je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est mon Instagram. Ah, le premier, c'est par rapport au meilleur numéro 9 du monde. C'était avant qu'il fallait se mouiller. C'est pas maintenant. Tu prends aucun risque quand tu parles au présent. C'était avant, quand on disait Karim Benzema n'était pas français. Hein, quand il n'était pas appelé en équipe de France. Tous les gens qui osaient plus mouiller dans les médias, qui ne voulaient pas en parler. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, moi, en tout cas, je n'oublie pas. Enfin, bref, c'était une petite parenthèse. On est là, ballon d'or, président, je sais pas quoi. Putain, quelle bande d'hypocrites. Bon, ça, c'est fait. Le deuxième, c'est par rapport à Marseille et la Coupe Conférence. Machin, je sais même pas comment on le dit, je sais même pas comment ça s'appelle. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se permettre de parler en France. En France, en tout cas, on ne peut pas se permettre de parler. On est là à dire, ouais, cette coupe, Ligue Conférence, pas Conférence, Ligue des Champions, Europa League. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Voilà la mentalité française par excellence. On n'est même pas capable de gagner des coupes d'Europe et on est là à critiquer une coupe. Les gars, on est des compétiteurs. On n'en a rien à foutre. C'est un sport de base, le football, un sport de pauvres. À la base. Et on s'est tous battus pour des pactoles, pour une bouteille de coca et des paquets de gâteaux, enfin, peu importe. Et là, on arrive à dire, là, les conférences, c'est claqué, pff, c'est trop facile. Mais, les gars, mais vous blaguez ou quoi? Ouais, comme Lyon, par exemple, hier, elle a perdu contre West Ham. Je suis pas supporter lyonnais, moi, je n'en ai rien à foutre, mais c'est pas mes ennemis. J'aurais préféré qu'ils gagnent, tu vois ou pas? Mais j'aime trop les gens. Les gens, vous aimez trop dire, si c'est pas la Ligue des Champions, c'est claqué. Mais remettez les pieds sur terre, les gars. Il n'y a aucune compétition au niveau européen qu'on peut sous-estimer. On n'est pas en position de sous-estimer une coupe européenne, que ce soit en conférence, Europa League, la Ligue des Champions. Ouais, à mon avis, on la respecte parce que franchement, on fait botter les fesses. Je parle nous, les Français en général, hein, tous les clubs français. Mais vous êtes trop marrant. Elle a vu de ma mère. C'est un truc de fou. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que... Oh, par contre, commencez pas à chipoter là-haut au-dessus, là. Commencez pas à nous faire ce que vous avez fait avec Lewandowski et Messi. Hein. Attention. Là, on touche aux Français. Donc, on a beaucoup de respect, il n'y a pas de problème. Ok. Mais à un moment donné... On en a marre et on veut voir de la logique. Ok? Donc faites place à la logique et donnez ce ballon d'or à un Français. Sincèrement, il n'y en a que deux qui peuvent l'avoir. Mbappé, Benzema. On va pas se mentir. Mais bon, Benzema, il est en train de faire carton en Ligue des Champions. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que moi, j'aimerais que Karim Benzema prenne ce putain de ballon d'or. Voilà. Par rapport à l'histoire du footballeur, son histoire, son âge, sa persévérance, sa longévité, point barre. C'est tout. Nous, on veut tous KB9. De toute façon, Kylian Mbappé, les gars, à mon avis, il aura pas un ballon d'or. Il en aura peut-être, minimum 3. Minimum 3, en tout cas, comme vous le savez, je le supporte. Et je l'espère fortement. Et en tout cas, en ce moment, voilà, Karim Benzema, c'est un truc de dingue. C'est extraordinaire. Je me souviens encore de certaines personnes qui disaient, quand il y a eu la rumeur de Karim Benzema à Lyon, qui disaient qu'il était fini, qu'il allait venir à la retraite. Bon, je peux pas vous en vouloir. C'est des discussions de comptoir, ça, entre vous. Mais sur le terrain, vous ne savez pas ce qui est le personnage. Vous le voyez de loin. C'est plus facile pour vous. Mais de près, les gars, je peux vous dire, j'ai vécu. C'est un phénomène. C'est un truc de ouf. Et nous, les Français, on commençait à dire, ouais, il va venir à Lyon, c'est chez lui, il va être tranquille. Ah merde, j'en peux plus de vous.